Va laisser au séduit, plus belle richesse à un, plus Zola, Jodla, là, nous allons commencer par les sept. Terre de bas, terre de haut, la Désirade, Marie Galante, Grande Terre, Basse Terre, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, Saint-Lucia, la Guyane, la Réunion, Barbade, Trinidad, Jamaïque, toute la Caraïbe. Bien bonjour. Est-ce qu'elles sont là? Miami, Porto Rico, le Venezuela, la Colombie, Caracas, toutes ces îles-là, tout côté, New York, Canada, Toronto, Montréal, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Eh bien, je de là, à quatre chaînes, a commencé l'émission là, d'une manière particulière, parce que c'est important. C'est important, il faut que nous songions. Yo. Tout cela qui disparaît dans le monde entier depuis début à pandémie là, ça. Alors, symbole de respect et de cohérence à la famille, en cas il y met en bougie. En cas il y met bougie là, parce que c'est important. C'est important. Nous n'y chassons nous là. Nous là. Mais yo, malheureusement, yo pas là encore. Et nous allons faire une minute de silence.
Ça c'est pour yo. Pour toute famille qui perd un parent. Pour toutes amies qui perd des amis. J'en ai trop mort. Trop mort. Malheureusement, en Guadeloupe, nous j'en perds 13 moun. Plus de 23 000 moun en France. Et 214 000 moun de la mort. J'en pâti dans le monde. J'en pâti, j'en quitté nous. 214 000 moun. J'ai quitté nous dans le monde. On a pensé pour toutes les familles qui va me péterer, famille Ayo. Pour tous les amis. Alors, comment des autres lumières bougent à Kazazot? Et nous songeons, yo. Nous avons parlé des chiffres. Mais dans ces chiffres-là, ça ni des mounes, ni des vies. Faut pas jamais oublier ça. A nous les mains, les miens, Bayo. Condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre, à tous les amis qui ont perdu des amis, parce que là nous avons parlé vraiment de la vie n'a pas de prix, nous avons une seule vie, l'amour. Nous avons pris un premier appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, de ta pasteur Bernie, Marie-Claude. Marie-Claude, je t'écoute, vas-y. Oui. C'est pour accompagner ta prière et la lumière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Adversaire là, c'est virus là. Et bon Dieu, c'est table là. Et que délivrez-nous de l'adversaire là. Nous avons combat, nous que gagner. Ensemble, nous que gagner. Ensemble, nous que gagner. Merci. Et pour mettre bon Dieu devant, et pour mettre bon Dieu devant, tout le monde est bien. C'est bon.
Et ça passe pour les autres. Merci la famille. Allô la Moubao. Merci. Alors vraiment, avec vos efforts et courage pour toutes les familles. Parce qu'en sa vie des familles, yo là, yo pas parlé, yo a souffert en silence. Pour tous les victimes de pandémie là ça, mais pour tout le monde aussi qui perd en famille et qui peut pas voyager aussi parce qu'il y a ni des monde qui mort de mort naturelle ou qui mort de d'autres bitin, mais famille là peut pas vine et nous savent qui j'en casse en nous que la mortalité c'est un moment important casse en nous à notre culture en nous et nous pouvons même accompagner. C'est là que nous aimons dans les dernières demeures. Ça aide. Nous comprenons notre appel. Allô? Oui, allô, bonsoir, Chika. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Le papillon de Gancan. Y'a ça, papillon, qui j'en ai? Eh bien, je suis fatigué, Chika. Depuis des jours, nous battons, nous, mais. Qu'on a l'argent là. Ok. Ça capote mon œuvre, mais ça va. Eh bien, d'accord, bien content de vous. Oui, moi aussi. Hein. Et toi, qui j'en ai là? Eh bien, là, la famille. Alors, est-ce qu'on écoute le premier ministre parler de là? Non, puis il m'a dit, bon, Chika, parce qu'on était déjà fait 3 heures, on était à travailler toute journée là, alors on passe en nuit. D'accord. Non, est-ce qu'on tenait un message en particulier à envoyer, papillon? Eh bien, comme d'hab, on savait ne a rien pas changé. On l'a en 4B. Nous avons espéré que le confinement à mois prochain qui ça qui est. Bien, tout le monde, parce que ni des bits qu'on t'a dit en sorti, c'est qu'après, elles vont bouger spirituellement, c'est bien. Franchement, ça fait. Ça adoucit les nerfs, comme on dit. D'accord, papillon. Eh bien, on va connaître. Go big up. Boudoum. Ok. Bisous, bye. Bisous, bisous. Alors, nous attendons l'appel à Zot 05 90 96 10 10. On l'a l'amour. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ah, je vous appelle de la France. C'est Didier, ça? Non? Pardon? C'est pas Didier? Non, 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 du tout. Ah, le prénom? Cliff. C'est? Cliff. Cliff, vas-y, on t'écoute. Bah écoute, c'était juste pour vous dire que je vous regarde depuis un bout de temps et que ça fait plaisir ce que vous faites en fait. Merci beaucoup. Cool. Voilà, je regarde sur Facebook et c'est très intéressant de voir que voilà que vous pouvez faire ça et que ça parle à tout le monde. C'est hyper enrichissant en fait. Donc je voulais juste vous le faire savoir. Ah ben merci beaucoup Cliff. Avec plaisir, bonne soirée. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Boudoum. Alors, nous, quand on appelle à Zot 05 90 96 10 10. 96 10 10. On nous aïe. Allô? Oui. 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 Ou en direct, nous, quand on ou quand on est de qui côté? Moi, Fossman. What? Ok, écoutez-moi, à tout petit moment, on m'a parce que vous savez. Pourquoi qu'il y a une de qui côté? Le noir, à tout en France, ou pas de moi. Oh, ouais. Pourquoi vous est-ce que vous voyez? Ou pas de qui a pas de télé pour parler comme ça? Ou quoi, non? Non, mais. Oh, mais oh, non, pas dis-moi, pas. Akama, de m'habiter, ou agresser, moi, frère. Ou. Elle s'appelle par les barres. Ou quoi qu'il y ait une de qui côté? Radio en France. Mais en France, c'est où là? Nous en France aussi, en Guadeloupe. Qui côté en France? Adam le Sud. Voilà. Prénom, Aou. Tonton. Tonton, eh bien, nous qu'à coûter où aller là. Faut nous qu'à respecter nous, la famille. Faut nous qu'à respecter nous ensemble. Mais faut nous qu'à respecter nous. Ou quoi qu'on peut dire? Mais un projet, un vrai camp. En dehors des manques de respect. Eh bien, peut-être que nous mal tenu, nous. Peut-être que vous ne pouvez bien ou moi, pas vous. Vous comprenez? Bon. Voilà, à écouter, vas-y. Bon, à terme, en fait, quel sujet émission là? Eh bien, ouais, émission là, ça, c'est pour ça que vous m'avez dit. C'est une émission qui a battu tout le monde à la parole. Nous pas ni pouce. Ça veut dire. Oui, à écouter, vas-y. Donc, ça veut dire que nous avons crié, nous avons parlé de n'importe de tout ça, nous voulons dire, pas de bons sujets pour nous débattre en l'air, en fait. Ça, comment dire, parce que bon,
regardez, vous me dites pour moi, comment dire, moi, mais c'est quoi le sujet de l'émission, quoi? Eh bien, mon frère, c'est une émission qui a parlé de la réalité, de ce qui a fait tous les jours. Donc, tous les jours, le sujet a changé. Je de là, nous avons parlé, si c'est ça, au TV SAV, des cas qu'on a pensé par rapport à la déclaration pour une ministre, là. Mais c'est un major de là. OK? Ah, d'accord. Alors, vous, quand vous pensez de ça, tonton? Prenez où là? Ah, ben, mon cher, pourquoi autant ça me s'est dit? Bon, ça, mon pâté, ça pas tellement étonnant. Tout le monde dit ça va à peu près, ça me s'est dit, parce que première fois là, bon, cela parlait là, Macron parlait de déconfinement. Monde qui soit ici en France ou en Guadeloupe, tant le mot déconfinement, ça, moun a commencé à y aller là. Donc, nous tous savons que Jodla, ça, mais ce qu'il fait, c'est essayer de ranger. Moun, par rapport à ça, le président l'a dit, ça veut dire, essayer de faire nous comprendre que ça veut dire déconfinement. Est-ce que si moun a l'école, est-ce que monsieur qui travaille, qu'a nous a fait quoi? Donc en fait, ça, monsieur dit là, c'est tellement surprenant. Mais ça qui est intéressant à présent, c'est qui gens nous a fait sortir dans ça. Puisque si son virus fait nous condamner le virus là, ça. Mais si yon kabou, l'on a fait dans ça, virus là, ça peut disparaître. Maintenant, d'un point de vue économique, effectivement, fait nous faire. Mon travail pour l'économie répartie. Ça, c'est un point de vue politique. Maintenant, point de vue sanitaire, est-ce que les mesures que nous apprenons nécessaires pour disparaître le virus-là? Parce que le problème-là, à pays-là, c'est le virus-là. Donc là, nous avons un bel bab. Est-ce que nous allons relancer l'économie sans faire attention à la santé ou ne pas. Vous comprenez un peu comme ça? Tonton Koute Sakaydi, est-ce qu'on a vu qu'on a tenu une belle intervention? Oui, mais nous ensemble. Mais est-ce qu'on a vu? Non, mais parce que peut-être que moins, ou peut-être que moins, on a parlé de nous, qui fait que nous manquons à quoi chez nous. Et ça, c'est un bel exemple pour tout le monde qui a écouté nous. Il faut nous apprendre à comprendre nous. Nous ne sommes pas obligés de monter au coco tout de suite. Parce qu'on a parlé de nous. Mais ou pas te kattel moi, donc ça te ka énervé ou, et moi, ou pas te ka répondre moi, ça te ka énervé moi. Mais faut nous ka travailler ensemble, et ça c'est un bel exemple. Donc on ka big up vous en direct. Vous comprenez non? Big up. Ok? Respect. Oui, ça on est, parce que nous avons même bateau là. Oui, mais c'est pour ça, ou ka tout ça qui ka fait, c'est jamais pour Lazare. Ça, on manque de compréhension, et voilà, et regardez, vous tenez une belle intervention, donc on ka félicite ou. Gros big up ba ou. Eh bien, moi, je vous remercie parce que déjà, au départ, Santé Business Sav, c'était qui terme là, parce que je n'ai pas intervenu. Je ne peux pas savoir ça. Dès qu'il nous a parlé, je peux me péter mon travers. C'est vrai. Je vais vous demander ou dis-moi, et ça éclaire moi. Ça va mon belle force. Pas de problème. Que le, si le monde vient crier parce que l'émission, moi, en France, à quatre ans, il est. Mais vous pouvez m'écouter. Pourquoi vous la famille? Voilà. C'est pour ça que nous avons mis sur là. Non, émission... Oui, mais attends, arrête de m'habiter, sans couper. Vous voyez une émission lancée en nous, Haï. Ça veut dire que c'est une émission en nous, à part en moi, c'est en nous. Vous comprenez? C'est en nous. Et par ça qui sorti fait là, c'est un bel exemple pour montrer que faut nous apprendre, l'un écouter l'autre et comprendre nous. Donc, encore, oh, mais aussi encore. Vous comprenez? Oui. C'est que vous criez moi, vous criez moi, mais moi, j'étais à chaud. Parce que sortir, on a fait une prière là, on a fait un limon bougie pour tous les gens qui sont partis, on a fait Jean-Jean. Vous comprenez? Il faut que l'homme aussi sache se remettre en question. On a fait Jean-Jean. Vous comprenez? Donc, comment pas vous attendre bien? Que... Bon, tout ça fait yon. Mais il faut toujours avoir de l'humilité. Donc, on a dit, si on mal parle, excusez-moi. Ok? Non, moi, je ne pense que vous pas mal parler par moi. C'est, au début, ça, on dit là, c'est parce qu'il y a un problème de l'un pas attendre l'autre. Mais voilà. Je pense que c'est comme un respect. Et moi, je ne vais pas crier, mais moi, qui au respect. Voilà. Donc, à partir de là, nous comprenons. Nous. Respect, mon frère. Après, moi, après, un petit bougie, un petit prière. Non, madame, il crié. Voilà. Il dit que je tombé aussi. Voilà. Donc, on a regardé tout ça. Reprenons. Eh bien, big up, tonton. Tonton, big up, l'amour. L'amour. Ok, mon frère. Yeah, man. Hey, frère. Big up, Rastafari. Yes, à la famille. Solide.
Eh ben voilà, il faut nous comprendre nous entre nous. Et ces messages-là sont rapportés, l'unité. Nous j'en perds trop de temps, trop l'argent, trop fil. Faut nous pas perdre fil encore. Faut nous aller devant. Vous comprenez? Et à voyez un message aussi pour les gens qui ont voyé les commentaires sur Facebook. Si vous n'avez pas rien à faire à casa zot, mais respectez les grands gens qui là. Parce que ça a fait un petit moment que n'a pas dit rien, mais il faut savoir mission là ça, c'est une mission qui est intergénérationnelle. Il a concerné les grands gens, les petits gens, les mamies, les papis. C'est pas le moment de venir, hein? Marquer des commentaires négatifs. Si tu n'aimes pas l'émission, eh ben, bisous. Voilà. Parce qu'il y a des grandes personnes qui sont là. Quel exemple que tu donnes de notre communauté? Quel exemple que tu donnes? Il y a des gens, beaucoup font un travail pour faire évoluer le pays et doivent se mettre, hein? Alors, sur Facebook là. Voilà. Sur Facebook. Parce que sinon, comme j'ai dit non, comme j'ai affiché en grand là. Affiché. Mais moi, pas pour ça. Ah, pas pour ça. Tu vois, je ne suis pas pour ça, pour afficher les gens. Non. Depuis qu'on a fait télé, depuis qu'on a fait vidéo, après j'ai fait une vidéo négative sur un monde. Après j'ai fait ça. Tout ça qu'on a fait, depuis 10 ans, c'est le positif. Je ne me sers pas de ça pour faire le mal. Non, encore le bien. Donc, respecte les gens. Bienvenue à toi. Tu vois, depuis quelque temps, tu es là sur Facebook, tu parles, je ne dis rien. Mais au moment, ça suffit. Parce qu'il y a des parents là, il y a des enfants là, il y a des grands-parents là, et tu es là, tu parles des insanités, tu joues les gens, mais un moment non, un moment faut arrêter. Respecte l'émission, sinon il y a d'autres chaînes. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a TikTok, il y a plein de choses à faire. Hein. Voilà, il y a Google, il y a plein de choses à faire. Il y a un peu joué aux jeux vidéo, voilà, je ne sais pas quoi. Mais voilà. Boudoum, nous allons prendre notre appel. Allô? C'est une parenthèse. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? Je t'appelle du Gosier, c'est Christelle du Gosier. Allô, Christelle, on t'écoute, vas-y. Mais Chica, déjà, en cas de bonsoir. Bonsoir. Et à toi, Christelle. Ça a vraiment touché moi, hein, d'être vrai, que je là, commencer l'émission. Elle va en bougie, elle va en lumière, on peut même dire elle va en bougie, mais elle va en lumière. Et en cas vraiment... Je tiens à remercier vous ça. Et en cas voyant en pile bénédiction, Baoshika. Merci. En pile bénédiction. Hein? Où ça va la famille? Arrête de vous habiter pendant là. La famille, forcément, on a compris qu'elle est moins venue ici dans là. Là, qu'elle vient ici dans, elle a fait un effort. Elle a pris un risque tous les jours pour sortir un virus là. Pour venir. Pour pas peuple moins force. Tu comprends? Je comprends ce que tu dis, Chika. Ni combien de temps on peut vraiment m'amener parce qu'elle avait protégé. Parce que pour tous les jours, en la rue là, tous les jours, on peut monter et descendre. Ou quoi, vous ni des bitains, ni des timounes, mais combien de temps on peut voir yo? Parce qu'elle n'avait pas mené le virus par yo. Vous comprenez? On pas venir là pour amuser la galerie. On vient là. Pour parler en vérité, va pas pour moi. Tu vois? Faut savoir que, à l'émission là, ça n'y a l'eau vérité qui a tombé. Alors, on pas savoir si c'est payé ou qu'a payé des mounes. Pour essayer de perturber moi. Ou, parce que ça peut faire aussi, peut-être des mounes qui a payé des mounes. Parce que je ne veux pas en parler. Je vais envoyer un message à Nelimba la matin. Ouais. Quand tu dis, moi, en fait, dans la vérité. En s'en descendant de la vérité. En sortant dans lignée. Maman, moi, papa, moi, c'est des mouna vérité. Grands-parents, moi, c'est des mouna vérité. C'est des mouna qui sortent dans la race à bon Dieu. C'est des mouna qui toujours prient. Toute famille, moi, c'est des mouna qui prient. Ça, de papa, moi, maman, moi, grand-mère, moi, grand-père, moi, de tous les côtés. Si les gens étonnés, je suis qu'à prier, c'est les gens qui ne connaissent pas moi, parce qu'ils ont toujours prié. Ils ont toujours un bon Dieu. Ils ont été enfant de cœur pendant plus de 14 ans.
Depuis de 14 ans, tu es l'église. En fond de cœur. Pendant plus de 14 ans. Parents, moi-même, sont prêtres. Donc, vous ne pouvez pas tourner quand même. Bon Dieu. En fait, bon Dieu. Même si elle est là, en pacaille l'église, en choisi, bon Dieu, pas les églises. Ça, c'est choix personnel en moi. Je vais respecter la religion chaque monde. Je vais respecter chaque monde. Parce que moi, en d'accord, tout le monde qui aime bon Dieu. Quand on met Allah, Bouddha, Jéhovah, Jésus, Mahomet ou Bouddhiste, en d'accord, c'est pour ces monde qui est positif, qui a fait le bien ou ces monde en moi. Même sous ce monde qui est négatif, qui parle de Babou, Dieu, non. Là, il y a mal, la vie n'est bien là. Tout le monde a ces monde en moi. Quand la vengeance appartient à Dieu, le jugement appartient à Dieu. Ou on va dire à Dieu, Christelle? Donc là, quand vous voyez, bon, vous savez vraiment, excusez-moi encore, ou à tonton, parce que c'est faute à des gens qui ont voyé les petits sur Facebook, à tes charges. Mais non, il ne faut pas laisser moi séduire par ces bitins là ça. Faut pas, c'est pour ça en crier. En te disant, pas qu'à crier, j'ai là, mais entendre ça qui passe entre vous et tonton. Déjà, depuis entendre, on dit, ouais, ça qui passe en fight, en mettre moi qu'à prier, en disant, moi, on dit, bon Dieu, bénichika. Merci. Ça, mes bouchons. Ça y fait mes bouchailles, qui a écouté, et qui a bon Dieu, qui a béni, qui a mettre meilleur. Vous savez, parce qu'à quel jour habite ça y est, naturellement. À quel jour habite Christelle? C'est pas pour moi. Franchement, moi, j'ai rien à. Le commentaire, ça me finit. Mais c'est les gens qui m'appellent, des grandes personnes qui sont choquées par des propos qui étaient tenus hier sur le Facebook, parce qu'il y a des grandes personnes qui regardent. Parce que moi, je ne vois pas les commentaires, hein, ou vite fait. Tu vois? Mais faut dire ça. Faut dire ça parce que ça a choqué ces mouna. Tu vois? Donc je demande aux gens qui mettent des commentaires négatifs. Ils peuvent mettre des commentaires négatifs à eux parce que ils ont le droit de faire la vie à eux. Mais pas gérer sur Facebook là. Respectez toutes ces mouna qui là. Parce qu'ils n'ont pas crié dans d'autres émissions ou si d'autres médias pour gérer. Respectez mes médias là, ça. Voilà. Et bisous. Mais on peut même parler, bah, on va dire moi. Non, c'est pas toi, vas-y. Vas-y, Christelle. Allez, on passe à autre chose. L'amour, on déplace les énergies. Voilà, transformer le négatif en positif. L'amour, nous, oui. Ok. Eh bien, en pile l'amour, bah, en pile bénédiction. Fais bon Dieu confiance, Chica. Envoyez un message bah, sur Facebook, c'est moi. En Dieu, fais bon Dieu confiance et qui ouvre les éclipses des cieux. Bah, fais bon Dieu confiance. Pas occupé au toujours. Chica, laissez-le faire ça, laissez-le crier. Moun yove, ou ni bénédiction à papa là en l'air. Moi, c'est ni qui pousse en cagade émission, parce que vous êtes seul animateur qui a parlé de Jesus Christ. Boom! You alone. Yeah, and that's what they tell me. Thanks to my sister. Bless God up. God bless you. You too. Bless okay. Up. En cas de mon seul bitin par rapport à sa ministre, l'a dit. En pas même écouté, c'est juste en vrai sur les réseaux sociaux. Seul bitin, moi, en commande, peuple en moins. C'est vrai que peuple Guadeloupe, c'est orange en red. Mais seul bitin que moi, en commande, peuple là, laissez la France gouverner la France. Et nous, on nous debout pour payer en nous. L'amour! La panique a accepté tout et n'importe quoi. Si nous, en nous, c'est à venir en Guadeloupe. Déjà, il y a tout qui l'a jacques à passer en France, il n'y a pas à retourner. Eh bien, c'est là, nous, ni là, eh bien, on nous sauvegarde, on nous préserve. Autant de temps qu'à dire, et tout peuple, tout papa, tout maman, enfant, pas voyez si nous, dans notre école, les 11. Moi, en tant qu'aide-soignante, je sais de quoi je parle, Chica. Cette maladie-là, ça, ce virus-là, ça, c'est un virus mortel. Alors, la famille, pendant qu'on dirait Christelle, voyez un message à tout le peuple qui a regardé là. Quand on dit, vous qui êtes soignante, qui travaille justement dans le milieu-là, ça. Peuple-là, si on peut dire autant bien, c'est qu'on aurait été unis. En nous, pour une fois, mettons-nous ensemble. En nous cherchant ça qui est bon pour nous. En nous cherchant ça qui est bon, va petit en nous. Les 11, nous pas ni normalement, faut toute l'école te fermer. Faut toute mes Guadeloupe
te di ke l'école a yo fermé. Moi je suis quand caïzi un bitin pendant tout virus là, tout épidémie pandémie là, en te colère mais après ça en principe on dit non, bon Dieu fait un travail si moi pour en rester cool. Mais à partir du moment là où que vrai les 11 qui arrivé Chika, qui ouvre l'école ou fait. C'est mon affaire pour malheur à yo, yo voyez si mon l'école. Ça caillerait parti des bibelles et moun ke mo kon tipin. Moun ke mo kon tipin Chika parce que ça nous ja vivre là. Ce n'est rien comparé à ce qui va arriver. Ce n'était vraiment rien. Donc, peuple Guadeloupe, si mon en nous garder en bas bras en nous garder en bas zèle en nous. Et à part les moments que nous moun vin parler d'économie à qui bitin, si pas ni santé Chika, si pas ni la vie, ou quand dit entreprise qui tourne, ou quand dit salarié qui paye fait entreprise tourner fait les gros machins gagner. Radio ça encore. Non, santé en nous ka passer avant tout. Santé en nous ka passer avant tout. Et toute pandémie là ça bon Dieu laissez-nous là pour te vrai si nous te ka rapprocher nous d'ey. C'est pas les bon Dieu qui a parlé bon nous. En passant, si vous ouvrez l'autre soir là vers 22h, je ne sais pas combien, la ligne là, qui j'ai été en ciel là. Hein, moun commence à caca si yo là, yo vrai, ka fait flou, flou. Moun te fait. C'est bon Dieu qui a parlé bon nous. Peuple Guadeloupe, c'est bon Dieu qui a parlé bon nous. Arrêtez, c'est grand femme, grand homme. En disant bon Dieu, nous toutes. Et il dit qu'il faut nous tous retourner comme un petit enfant. Bodum, Chika. God bless you. You too. Thanks you. Thanks. Enjoy. Bodum. Télévision pas marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. Le mou. Je devrais partir côté téléphone. Alors, qu'as-tu pensé justement des annonces qui ont été faites par le Premier ministre? C'est ça, l'état-major de là. Donc, nous allons repartir, nous allons attendre son cloche à zone. 0590-96-10-10. Allô? Allô, oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Amoul. Le prénom? Hubert. On t'écoute, vas-y. Giga. Oui. Hubert. Oui, nous écoutons. Vas-y, on t'écoute. Yeah. Attends, faut couper son télé là. Coupe le son de la télé. Coupe la télé. Éteins la télé, parle au téléphone. D'accord? Ouais. Vas-y, allez, on t'écoute, vas-y. Yeah. Oui. Si madame là, qui t'a parlé de. C'est Aïla. Oui. Attends, posez la question. Pour ça, à Paris, vous avez une mission à homme, mais il y a pas de capot. D'accord. Attends, on n'y trouve pas pour voir ça. D'accord. Pour ça, dans l'hôpital, il y a deux charges. C'est-à-dire, expliquez-nous. Tout est né, si on a mis en mort. Si c'est à Javim. Et la pression, ça veut bien qui côté. Parce que Stamar, qui était assisté, c'était à Zabine. D'accord. Qu'attendez-moi, hein? Qu'attendez-vous? Stamar, c'était assisté, c'était à Zabine. Tout le papier allait à Zabine. Et là, c'est mon mort qui a été aux abîmes. C'est là où il a élevé tout papier à mon mort. Vous avez commandé et dit qu'il a qui côté, si ça dit la pointe, ou si ça dit abîmes, ça a été mort à l'hôpital là, dit qu'il est sage. D'accord, d'après moi, c'est abîmes. Mais à qui m'a dit bien, d'accord? M'a dit, parce que même bouquin, s'ouvrait avant, quand on va faire les messes. Hein? Nous écoutons, vas-y. Sous, après le mec, c'est fini, encore à la pointe, et encore à Zabim. Bah, si mon âme était fait. Oui, non, mais non, là, c'est Zabim, même, c'est l'hôpital là même. Ma kemade, comment pas bien au courant? Je demande qui côté. D'accord, ma kemade. Il y a deux phases, la pointe et Zabim. Ok,
ok, ma dey, pas de problème. Et merci pour l'appel là. Vous avez dit que vous avez dit. Parce qu'il était avec nous hier, j'entends ça, j'en ai songé. Ça a fait, ben justement, hein, Arisa, hein, sa soeur est morte depuis le 19 octobre 2018. Et ce qu'on n'a pas encore pu être enterré, et bon, c'était l'émission d'hier, hein, et on expliquait que voilà, qu'elle avait des difficultés et qu'elle voulait avoir de l'aide, quoi, pour pouvoir enterrer sa soeur. Donc ça fait déjà un moment, donc on espérait qu'elle nous ait trouvé des solutions. Pour nous aider, you. Nous allons prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Paris. Paris, le prénom? Dominique. Dominique, on t'écoute, vas-y. Ben, je t'appelle parce que tu me fais beaucoup plaisir. Tous les soirs, je te regarde. En loin des pays, à moi. En principe, pour vivre à bonifier. Mais on part en vie, fait 14 ans là. Alors, où c'est mon qui côté en Guadeloupe? Pointe-à-Pitre. La Pointe. Combien de temps, Bovine? Ni à peu près 2 ans, là. 2 ans. Et là, pour savoir ce qu'il vient de bonifier là, en même temps, pour savoir là, nous, il y avait un virus là. Mais t'as un choix, quoi? C'est ça, nous, pour savoir. Ben oui. Ok. Ah, vous n'êtes pas ou pas? Avant de moun. D'accord. Mais est-ce que si vous si tenez de Simon, est-ce que vous avez voyé de Simon à l'école 11 ans? On va dévoyer. Quand on va à l'hôpital, moi-même, j'en connais aussi. Hein. Alors, quand on va à l'hôpital, qui est-ce qui va passer à l'hôpital là? Justement, comme vous travaillez à l'hôpital, qui est-ce qui va passer à l'hôpital? Eh bien, c'est Covid. Nous avons soigné ces patients-là. Nous avons fait ça nous payer. Nous avons des masques qui ne sont pas. Nous avons des masques depuis 2001, masques de 20 ans. 20 ans, et je te dis ces masques-là, là, et on va tous ces masques-là pour le travail. Donc, attends, est-ce que ces masques sont périmés ou pas? Ou ils ont oui, depuis 2001. Et même, on va se durer combien de temps? À part ça, par contre. Ah ben, masque a duré 3-4 heures de temps. Non, mais est-ce qu'un masque qu'il peut utiliser, combien de temps on peut garder? Pas ça? Pas ça, en tout cas, après 20 ans, je pense qu'il n'est pas bon encore. Hein. D'accord. Et est-ce qu'elles ont du matériel, ce qu'il faut? Oui, nous disons ce qu'il faut. Quand on paye, quand on paye. Ah, mais t'as arrêté même où? À cas ça, tu pas trop envie de parler? Mais t'as abandé? Où j'avons l'eau ou moi, la famille? Où j'avons l'eau ou moi? En tant que qui vite? Est-ce que j'avons l'eau ou moi, en l'hôpital là? Bon, j'ai lavé mon mort, j'ai fait tout ça. Pouah, ça arrête la famille. Mais c'est travail-là qui compte, ça, quoi, vous faites. Alors, pendant qu'on dit, qu'est-ce que vous tenez un message à vous par la Guadeloupe, qu'on t'a dit? À tes yeux, comme ça, ben, fais attention quand même. Parce que nous avons découvert des YouTube trop vite. Et donc, fais attention quand même, parce que le virus, ça, il n'est pas facile. D'accord. Eh bien, nous quand même sur la famille. Dominique, merci pour ton appel. Gros bisous. Oui. Attends, il veut parler. Okay. Reste là. Oui, on t'écoute. J'ai dit justement, je m'appelle Marie-Claire. Moi aussi, je viens de... Attends, Marie-Claire, mais t'es qui? C'est quelqu'un d'autre? J'ai dit oui, justement, je suis en train de regarder l'émission avec... Attends, Marie-Claire. Dominique. Marie-Claire. Oui. Présente-toi, tu viens d'où? Tu habites où? Alors, je viens de Villejuif, 94. D'accord. Je suis d'origine antillaise. Où? Guadeloupe, Martinique, Guyane, où? Ma mère est de Martinique, Guadeloupe. Ok. Alors, de Trinité et de Petit Canal. D'accord. Eh bien, on t'écoute, vas-y. Je veux juste donner mon avis, ça ne regarde que moi, mais je pense que ça doit toucher beaucoup de personnes. L'État est là pour quelque chose, ils ont une mission. Mais nous, si on a une mission, c'est de nous protéger nous-mêmes. Et que leur intérêt n'est pas le nôtre.
l'argent d'abord, ça c'est pour eux. Mais nous, c'est notre santé d'abord, la santé de notre famille d'abord. Et l'argent après. Michael, où Rétez-vous là se concentrer sur Attends. Rétez-vous là Oui. Oui. Dis ça encore, répétez-moi tout ça encore, Noaï. C'est important qu'on pense à nous parce que personne ne fera pour nous. Et on a une histoire qui fait qu'on connaît déjà comment le gouvernement pense. Donc on peut pas les écouter comme si ils avaient la parole infuse parce que ce n'est pas vrai. On est tous dedans. La plupart de notre famille travaille dans les hôpitaux. On peut pas nous mentir. On sait très bien ce qui se passe. Et la deuxième vague, on va y goûter qu'on le veuille ou non. Et le fait de mettre les enfants, c'est le premier décret qu'ils ont mis, c'est de retirer les enfants. Et le premier décret qu'ils remettent, c'est de les remettre encore à l'école. Il n'y a pas un truc de bizarre dans ça? Attends, redonne-le-nous encore. C'est pas prendre les gens pour des cons. Repose-nous la question. Repose-nous cette question. Michael, repose-nous cette question. Comment ça se fait que le premier décret qu'ils ont mis, c'était de retirer les enfants, et le premier décret qu'ils remettent pour le déconfinement, c'est de remettre les enfants à l'école? Est-ce que c'est leurs enfants qui vont à l'école? Non, ils ont des cours à domicile. Est-ce que c'est leurs enfants qui vont prendre le RER, le bus? Non, c'est les nôtres. Donc, les morts, là, ils les comptent comme des numéros. Nous, si on a des numéros sur notre carte d'identité, on n'est que des numéros pour eux. Mais nous, là, notre famille, nos amis... C'est le sang, c'est la chair. Et quand on les perd, ça dure toute la vie. Cette tristesse-là ne partira jamais. Donc, on reste confiné tant que le danger n'est pas parti. Et il ne risque pas de partir parce qu'il est dans tout le monde entier. Et à partir du moment où ils vont remettre les avions, c'est la troisième vague qu'on va entendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Et j'adore l'émission. Et continuez comme ça. Big up. Où t'es tout prêt à me rendre beau? Big. Ah, Dominique? Big Frost. Dominique? Oui. Boy, bon, moi? Oui. Boy, bon, moi? Vous l'avez boy, bon. Boy, bon, moi, Dominique? Allez, bisous. Big Frost. Boum. Big Frost à la famille, à tout le monde. Ok, la famille, on va connaître solide. Et pas occupé de tout le monde, baby, ciao, bon. Merci, la famille. L'amour. L'amour. Eh ben voilà. L'amour, bisous. Bisous. Eh ben voilà, ça me fait plaisir d'entendre des jeunes parler comme ça, des jeunes comprendre ce qui se passe, être vraiment veillatif à tout ce qui se passe. Franchement, et ouais, nous cabin people, nous toutes là. Nous sommes en famille. À dans famille, ni des hauts, ni des bas, ni des mais nous sommes en famille. Et vous voyez, ça que nous nie ensemble, c'est ça la joie de vivre. Parce que nous sommes un peuple qui aime vivre, qui nie la joie. Il faut nous garder joie là, ça. Mais il faut nous ouvrir en nous aussi à tout ça qui a passé en tout en nous. Alors, tout en nous. Nous allons prendre notre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, il faut couper la voiture. Éteins le son de la télé, s'il te plaît. Oui, maman, éteins la télé, s'il te plaît. Voilà. Tu nous appelles d'où? Oui, ça va super, Chicano, ça va, ça me fait plaisir de t'avoir. Hein. Eh ben moi aussi, la famille, tu nous appelles d'où? En plus, on discute sur Facebook, Chicano, ça, c'est Yannick Inferno. Je connais. Yes, la famille. Alors, quoi, qu'il y a de qui côté? Ah, ben, de Sarcelles. Sarcelles, représente Big Up. Représente la famille. Boudoum. Non, ça me fait plaisir de t'avoir. Merci. Moi aussi, la famille. Alors, quand on fait, dis-nous, nous écoutez où? Ah ben voilà quoi ça. Moi je voulais t'avoir au téléphone parce que voilà, je te dis ce que t'es en train de faire, c'est incroyable. Et franchement, on discute souvent sur Facebook, toi et moi, et ça me fait plaisir de t'avoir, honnêtement. Voilà. Merci la famille, Big Up. voilà, franchement c'était juste pour te donner la force et pour dire reste comment tu es. Et franchement ça me fait plaisir de t'avoir. De toute façon, on continue à s'écrire sur Facebook. Boum! Gros bisous à toute la famille, Sarcel! Gros bisous! Boudoum! Merci la famille, merci, boom. Je te jure, merci! Viens, aïe! Et ma cavoué, force bat toute famille en moins, 9-3, 9-4, tout côté, un peu phénoménal parce qu'elle est tellement côté, Marseille, Toulouse, tout! Kurt, qui j'en, mon frérot? Yann, la Villoise, qui j'en, la famille? Baba man! Kamé!
quand Chris a dit tellement bougon en l'air là, ravez force, bat tout bougon qui en l'air là, bat tout moun en tout côté, à Caribla, Miami, New York, tout côté, c'est l'amour. On nous va, il nous va prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? C'est Coco de Gonesse, Trabo Nouvelou. Qu'est-ce que la famille? Eh bien, la famille, moi, content, moi, ça a fait plaisir. Il y a un moment, quand j'étais jeune, vous, ça a fait plaisir de voir. Et puis, comme on toujours dit, moi, si vous voyez Facebook là, pas côté ça, mon gars dit. La jalousie, ça, c'est plus mauvais défaut qu'il n'y. Reste en taille, chaque monde en taille. Et puis, nous que vous mettez pour ça, pour travailler là, nous, on est là. Boudou. Eh bien, Chica, moi, écoutez, président, à parler. Mon cas dit ça c'est du, il y a du flou, trop flou, parce que on va également trouver aussi comme quoi là il parlait des déconfinés, tout le monde mais c'est ça c'est vrai, tout le monde maille noir, c'est tout le monde maille noir, c'est pas possible, c'est pas tout le monde maille, donc pourquoi il fait ça, parce que tout le monde maille pas porteur de virus, c'est pas, on va d'accord, il y a tout le monde maille pas porteur de virus, on passe au la virus là, moi-même personnellement, moi j'ai dit tout le temps, mais la famille quand vous êtes signé de sa première ministre l'a dit. Maman habite au Watson. Allô? Oui, quand Watson de ça, président, premier ministre l'a dit. Moi, je vous dis que mon Watson, que le premier ministre l'a dit là, ça me dit bien, c'est qu'il dit Marseille qui veut la Coupe d'Europe. C'est tout ce que mon Watson qui fait me dit bien. Alors, oui, alors, est-ce que tous ces mouna qui aiment le football, ont tant que Pékin ni reprise de football, ils ont tant que ça, Pékin ni match football? Donc les supporters à Paris, les supporters à Marseille, Lyon, Saint-Etienne, tous les supporters à football, eh bien, le Premier ministre a annoncé qu'un Pekini ou un prise à football. Penny voilà. Bobol, Penny Sinobol, tout Bobol. Moi, ça va faire mal parce qu'il y a mes footballs en moi. Hein. À part rater le football, à part les Coupes de France, ni coupe, à part des pauvres matchs même. Tellement de madame qui n'y a ni match encore, mais là pas ni match. Peine Ligue des Champions, nous payons tant de musique là, rien encore, nous payons à rien, ouais. Pas ni football. Alors est-ce qu'il y a que payer le football? Ça sont notre bité, à pas ça. Nous pas goûter où? Ni encore un bagage qui marche chez nous, ça c'est déjà visible. Moi, quand on a dit madame, ça c'est déjà visible. Vous dites, dans le premier ministre qui a venu, il a dit qu'on s'est venu la dernière fois, il a dit bon, pour le 11. Le 11 mai, Bastien, côté content, tout le monde est content. Mais c'est monsieur malin, à un point, comme Kayo pour comme base. Alors comme nous, qui est mon nom là, il y a esprit, mon nom là, il y a l'autoka ou l'étala, mon dieu, Paris plein, Martinique plein, Guadeloupe plein, l'autoka ou les messieurs veillent ça, ils veillent ça, mais ils n'ont pas ça du monde, comme quoi que le confinement, c'est peut-être au mois de juin, ils n'ont pas ça du tout, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas les responsabilités là. Yo mettez ça les nous entièrement. Et bien, demande moi c'est qu'on ça fait que fait. Alors, Chica, yo quitter ce moment là dehors, quand a vidé dehors à droite à gauche tous les jours. Et puis actuellement, je dis comme ça, si ça bien qu'on y a, si bagay la passé qu'on y a, yo qui déconfiné. Tu comprends? Alors, ça veut dire comme quoi, si nous pas déconfiné nous le 11 mai, ça veut dire que il y a trop de monde en l'arrière, il y a la défense en nous. Il y a piégé nous pour une raison en l'essai où vous avez fait. Mais moi, tu as dit, c'est ça fait un bagage pour le mois de juin, il y a une alors, il veut dire, il y a piégé nous toujours, par exemple, tu as dit, si il y a un machin, ça fait strict. Alors, il veut dire, c'est best, nous devons best actuellement. Bon, mais c'est un piège là. Je sens le confinement dans la PAC à faire le honte. Je sens le confinement dans la PAC à faire le honte. Je sens le honte dans la PAC à faire le 11, et c'est piqué beaucoup de monde. Mais je sens tout le temps. Je peux prendre toute anecdote que ça nous a fait. Je peux veiller que les gens dans la rue, je peux veiller que l'auto a roulé, je peux veiller que les gens ne peuvent pas respecter. Je peux prendre là, je peux dans mon PV pour dire que les gens disent bon, ben voilà, vous n'avez pas respecté le truc, alors on prolonge pour le mois de juin. Et puis, il fallait deux semaines avant le 11. Alors, il y a eu deux semaines de regard aussi, nous. C'est ça, c'est travail à la sémité qu'a fait nous. Il veut dire, nous écoutons en bas de genoux, alors que ça veut dire, rester, c'est baisse. Il veut dire, nous, on baisse actuellement. Alors, il y aura fermé nous, pour qu'on venir deux semaines avant, comme quoi que. Si ça se passe bien comme on veut, on va bien écouter ça. Alors, est-ce que vous voyez Timouna ou l'école?
Moi, je dis moi-même, moi, je suis tiche, moi, je suis tiche, moi, je suis tiche, moi, je défends nous à l'école. D'accord. Eh bien, nous, quand remercions la famille. D'accord? Eh bien, merci, Chicago, à très bientôt. Boudoum, l'amour. Boudoum, Kébé, l'amour. Eh bien, nous recevons le maximum d'appels parce qu'en fait, tant de réactions à autres par rapport à tous ces mesures-là que le Premier ministre a annoncé bon matin-là. Donc, exprimez-vous, nous là, pour échanger ensemble. Anyway. Eh bien, nous attendons l'appel à autres 05 90 96 10 10. Alors, quand vous voyez, et bonjour, et l'amour, tout le monde, il y a un paquet de bougons qui a gardé là. Hein. Donc, quand vous voyez l'amour, force pour les frères, quand vous voyez force pour les soeurs, pour la famille, pour tout le monde. Et franchement, ça veut dire que, à des preuves là, ça, parce que c'est vraiment une preuve. C'est le monde qui menace, hein. Ben ouais, la vérité, en réalité, c'est le monde qui menace de mort. La mort roule partout dans le monde. C'est ça. C'est pas autre chose. Le dire, c'est pas apeurer les gens, c'est dire la vérité. Protégez-vous de la mort pour rester en vie. On prend notre appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, vas-y. Excuse-moi. Bonsoir, Chicanos. Tu m'appelles. Allô? Oui, bonsoir, Chicanos. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, mais cette voix-là, on dit que je la connais, cette voix. Ah, c'est l'une des abîmes. J'ai déjà eu l'occasion de passer à Canal 10 dans l'émission de Mégane. Ah, voilà. Ça va? Ça va, et toi? Ça va bien. D'accord. Mais d'abord, je voulais te féliciter pour le travail que tu fais, ainsi que l'équipe de Canal 10. Hein. Merci. Voilà. Et ensuite, donc, juste un petit ricochet par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui par le Premier ministre. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais qu'il y a des choses concernant notre territoire qui ne sont pas adaptées. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Par exemple, au niveau de la reprise donc des écoles, même si c'est une reprise donc partielle, hein, avec des moitiés de classe, à mon avis, c'est pas possible dans la mesure où le problème de l'eau n'étant pas réglé. Donc, pour des raisons sanitaires, il ne convient pas pour moi de réouvrir les écoles. Et j'ai cru comprendre qu'il y a certains élus qui ne sont pas d'accord par rapport aux écoles de leur ville. Donc, c'est déjà une chose. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a quelques jours, donc en regardant l'émission, il y a des personnes qui appelaient disant qu'il y avait un relâchement parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes dans les rues, qu'il fallait être vigilant et que ce n'est pas parce qu'on a une date de déconfinement que ça veut dire qu'on peut se promener partout, aller partout, n'importe où, à n'importe quel moment. Mmh. Donc, je tenais à dire à la population que c'est vrai qu'il y a des gens qui se promènent et qui n'ont pas forcément de motifs valables, mais qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens, donc, depuis mars, qui n'ont pas eu de salaire, d'accord, et étant en difficulté financière, donc, qui ont décidé de reprendre une activité en avril, soit en s'arrangeant avec leur employeur pour aller faire des livraisons, soit quelques jours par semaine. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'il y a des gens, au jour d'aujourd'hui, financièrement, qui sont en difficulté, parce que le gouvernement a promis des choses, donc, suite à la crise sanitaire. Il y a des gens, des entreprises, des petites entreprises qui devaient être aidées. Donc, il y en a qui ont reçu cette aide et il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçue. Donc, ces gens-là ont besoin de vivre, de payer un loyer, de payer des charges. Et il y en a qui, aujourd'hui, se déplacent et qui ne le faisaient pas en mars parce que ces gens-là ont besoin de continuer à vivre, de continuer à payer leurs charges. Et il faut penser aussi à cela. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on voit sur la route aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, de l'embouteillage sur Bornalo, Jarry ou autre, il ne faut pas penser que ce sont que des personnes qui se promènent. Donc, je tenais à dire cela aussi. Alors, parce que... Reste là, ne raccroche pas, hein, je vais intervenir. Franchement, je vais applaudir parce que j'ai là la nuit des belles interventions même. Mais dis-moi aussi. Dis-moi aussi. Merci, Fika. Voilà, bon. Parce que c'est important. Parce que ni moun qui pas touché salaire, et c'est vrai, nous pas parler de yo, ni moun, eh bien, yo trouvé yo chômage technique. Ça veut dire l'entreprise a fermé, yo retrouvé yo sans revenu.
parce qu'il n'y a pas touché RSA, il n'y a pas touché salaire à yo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fonctionnait. Ni des mounes, on a pensé justement pour les marchands qui vendent des pistaches, le sorbet, pour les voitures ambulantes, pour les autistes, les DJ, les boîtes de nuit, qui vont encore qui pas fonctionner. Tout ce commerce-là qui pas qu'à fonctionner là. C'est pas tout le monde qui a pu payer ses employés. Ça, c'est vrai. Tous ces artisans-là, c'est mouna qui a fait artisanat. Il n'y a pas quelques monde qui trouvait yo sans l'argent. Ni des gens qui ont une petite réserve d'argent à casa yo. Mais le premier mois là passé, ils ont trouvé son argent. Moi, après, le téléphone a rempli message. À des gens qui ont dit, moi, eh bien là, après le 15 rivé, j'ai rien, chica. J'ai plus rien. Comment je nourris mes enfants? Comment je fais des courses? Faut pas te demander de garder ça, faire l'argent, ça faire un job. Faut pas oublier les jobbers. Nous, en Guadeloupe, nous avons l'homme qui a jobé. On les a fait un petit coup maçon, il a fait, mais là, il n'y a pas ça. Exactement. Donc, c'est vrai ce que tu dis, ça me permet de rebondir parce que, tu sais, je reçois tellement de messages, je n'ai pas le temps de tout dire. Des fois encore, on envoie des succès d'énergie pour sucer mon énergie pour me distraire. Tu vois, des fois. Hein? Ben, mais bon, il ne faut pas s'occuper de ça. Mais ça ne va pas fonctionner, Chika. Tu restes concentré, ça on le sait. J'ai une pensée pour les coiffeurs. Moi qui ai travaillé dans la coiffure pendant un nombreux. Mon premier travail, il était dans la. Premier travail en fait, on travaille dans la coiffure. On travaille longtemps dans la coiffure. J'ai une pensée pour mes collègues, les coiffeurs. Les coiffeurs, les coiffeuses. Pour les commerciaux qui vendent des produits de coiffure. Moi, on fait ça aussi. C'est vrai. Premier travail, moi, c'est livreur de café. Parce que ça fait un grand bonnet charbonné. Grand bonnet à partir qui a fait livrer, démonter, décharger les conteneurs. On connaît quelqu'un qui roule. On roule très très jeune. Vous voyez, donc on a pensé pour tous ces coiffeurs là. Qu'il ne peut pas travailler. Mais si on ne peut pas travailler, l'argent ne peut pas rentrer. Une pensée aussi pour les intérimaires. Les intérimaires, oh, bravo. Nous, à nous, à la famille, nous voyons penser. À nous, voyons penser. Qui encore? Une pensée pour les intérimaires. Pensée également pour les personnes âgées, puisqu'il y a des personnes qui perçoivent la pension de retraite. Et entre la fin du mois de mai et début de juin, ils reçoivent donc une notification qu'ils doivent remplir. Et ça permet donc la continuité du versement de la pension. Et là, ces personnes-là, enfin, certaines d'entre elles s'inquiètent, puisque les institutions étant fermées, donc elles ne le savent pas. Déjà, ce sont des personnes d'un point de vue numérique qui n'ont pas l'aisance que nous avons, hein, déjà. Donc c'est pour vrai. Aller sur Internet et se connecter, ouvrir un compte en ligne, c'est pas évident. Donc elles s'appuient véritablement sur le document papier. Et là, les institutions sont fermées, donc il faut penser également à ces personnes. J'avais dit un truc. Excuse-moi de te couper. Parce que pendant que tu es là, je ne sais pas, hein, mais tu dégages un truc qui me donne de l'énergie et ça me fait penser à des trucs. Alors je te remercie déjà de ton appel, de ta présence. Je veux dire un truc qui est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement illettrées en Guadeloupe. Tout à fait. Et ça, c'est la vérité. Faut qu'on arrête de mentir. Faut dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes en Guadeloupe qui sont illettrées, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Qui ne savent pas faire leur papier eux-mêmes. Alors, on va dire c'est Mouna, ça, c'est Internet. Mais qu'on va dire? Il n'y a pas d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se rendre à la banque. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas à la banque depuis des mois parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. Ça veut dire qu'ils n'ont ni l'argent pour être contaminés, mais ils paient même la banque parce qu'ils n'ont l'homme qui passe servi de carte de crédit en Guadeloupe. Ni les gens, c'est chaque semaine, ils ont la banque, ils ont un guichet, ils ont pas un guichet automatique, ils ont un guichet. Bonjour, maman, c'est comme ça qu'on fonctionne. Faut dire la vérité. Tous les papiers, les mamies. Tous les muets aussi. Attends, je finis et après on va aller sur ça. Tous les papis et les mamies, yo aimé anti la poste à yo kaye la poste ou yo kaye la banque, yo kaye guichet, ou autant anti l'argent par semaine, semaine prochaine yo kaye autant anti l'argent, yo pas qu'à fonctionner, carte de. Yo même ni carte bancaire, peut-être son carte de retrait, yo ni, mais yo pas ni en carte bleue. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité de la Guadeloupe. Des fois, j'ai l'impression
que c'est que moi qui connais la Guadeloupe. Faut qu'on arrête de mentir. La Guadeloupe a une spécificité. Nos grands-parents pas qu'à utiliser Internet. Nos grands-parents pas qu'à utiliser carte de crédit. Parce que bien souvent, si moun a yo même qu'à voler 4 lacs, qu'à faire différent, bref, papa, bon, voilà. Donc, yon ni tibita yo caché, yon ni tibi yo kaye la banque. Petit l'argent a yo, ou moins non? C'est ça. Et si moun a sa ka souffert, parce que yo peut pas la banque, ferme. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de personnes, il y a plus que de. Écoutez ça, les autres. En Guadeloupe, les seniors sont majoritaires. Il y a plus de seniors que de jeunes. Vous comprenez ça? L'année là, ça. Regardez combien de centenaires nous fêtons. L'année dernière, regardez combien de centenaires nous fêtons. Canal 10, nous toujours fait une vidéo sur ces centenaires là. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Regardez combien qui nomment un centenaire, vous connaissez en Guadeloupe. Il n'y a pas qu'un centenaire. Ni d'ailleurs, il y a une grand-mère en Guadeloupe. Des générations qui arrivent contre en Guadeloupe. Mais c'est mon assa, y a besoin de support, y a besoin d'aide de proximité. Qui mouna qui kaye wote la jamba yo? Et aux gens qui connaissent les grands, y a pas fait mon confiance comme ça. Souba mouna famille yo, souba mouna yo, y a pas fait confiance. Hein? Tu comprends? Mais c'est mon assa. Eh bien, ça va faire combien de temps peut-être y a kaza yo, y a boire peut-être de l'eau, café, et chocolat, yo là, eh bien, y a ka chebe. Je te laisse continuer, vas-y. Alors oui, je disais également, à part les personnes âgées, qu'on ait une pensée aussi pour les sourds et muets, parce qu'on a tendance à les oublier. Et il y a un endroit aux Abîmes, donc c'est une association qui se trouve à côté de, donc au Bon Marché. Donc là, il y a des logements qui sont juste à côté. C'est vrai. La famille, t'as un truc à rajouter ou pas? Allô? Allô, allô? Allô? Bon, ben, depuis... Allô, allô? Bon, ben, oui, allô, est-ce que tu m'entends? Voilà, mais je ne t'entendais pas. Allô, ouais, alors, est-ce que tu as un truc à rajouter? Alors, j'ai une chose à rajouter. Oui. Malheureusement, qui m'inquiète beaucoup, et je ne suis pas la seule, je suis une maman. Et moi, personnellement, mon fils n'ira pas à l'école à compter du 11 mai. Parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies et de surcroît, il est asthmatique. D'accord ? J'aimerais savoir, pour les personnes qui sont salariées, qui n'envoient pas leur enfant à l'école et qui n'ont pas de moyens de garde, parce qu'il n'ira pas non plus à la garderie, il y a trop d'enfants à la garderie, est-ce que ces personnes ont un risque de se trouver licenciées ? Au début du confinement, il y avait un document qui était mis en place par le gouvernement qu'on pouvait remplir et qui permettait de rester chez soi, garder son enfant avec une prise en charge. Donc, c'est un document après qui était transmis à la CGSS. Sauf que ce document n'est plus en vigueur à compter du 2 mai. Donc, d'accord. Moi, je me pose la question pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, hein, puisque je ne suis pas la seule. Si on n'a nulle part où mettre son enfant, comment ça va se passer pour la reprise d'activité? Voilà. Alors, on m'a dit par message que je devais t'inviter en plateau. Plus souvent, tu peux être une bonne chroniqueuse. C'est ce qu'on m'a dit. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Donc, n'hésite pas à laisser tes coordonnées, OK? Ou sinon, à m'appeler. D'accord? Pas de problème, pas de problème, Chika. Mais en tout cas, bonne continuation à toi. Merci. Et bon courage à tous les Guadeloupéens. Et continuez vos efforts, restez chez vous. D'accord. Boudoum. Boudoum. Eh bien voilà, télévision par un marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. Le mou. Bonjour, mes amis, nous allons retourner en l'amour, en pression, en émotion, en sensation. Vous allez voir qui Jean Ika Limé belle, qui a fait une belle flamme. Eh bien, ça, c'est pour tous nos regrets disparus. Genre, il est chaud, hein? Il est chaud. Mais il faut maîtriser la chaleur. C'est pour tous ceux qui nous ont malheureusement laissés. Condoléances encore à toutes les familles. Mais comme on dit, chaque jour, on a essayé de mettre en lumière des talents de Guadeloupe,
des gens qui ont des super idées, des gens peut-être qui dans l'ombre, et bien, ramenez-les à la lumière. Écoutez pour t'entendre, pour comprendre. Anyway! Bonjour, je souhaite la bienvenue. Je me présente Chrislaine, je suis la lead du groupe de danse des jeunes Genesa. Je suis entre 15 et 18 ans. Rejoins-nous vite sur notre groupe WhatsApp. Défoule-toi au 06 90 68 95 05 pour pouvoir partager des vidéos de chorégraphie et de répétition avec la team. Je suis sûr que tu as de l'énergie à dépenser. Rejoins-nous vite. Bienvenue. Je me présente Chrislaine, je suis la lead du groupe de danse des jeunes Genesa. Je suis entre 15 et 18 ans. Rejoins-nous vite sur notre groupe WhatsApp. Défoule-toi au 06 90 68 95 05 pour pouvoir partager des vidéos de chorégraphie et de répétition avec la team. Je suis sûr que tu as de l'énergie à dépenser. Rejoins-nous vite. Pas tes cartons sont là, mais nous allons revoir tout à l'heure, mais nous allons accueillir prudence, nous allons applaudir. Prudence, prudence, prudence. Ça va, prudence? Bonsoir, Gadalvis, bonsoir, Stika. Alors, faut couper le son de la télé, coupe le son de la télé, parle quoi de la téléphone? Bonsoir, Gadalvis, bonsoir. Allô? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends bien au téléphone. Voilà, alors. Oui. Explique-nous tout, Prudence. Alors, je suis Prudence, la présidente de la troupe Zivega de Begin, la troupe de danse. Et donc, en ce temps de confinement, hein, donc, nous sommes tous chez nous, nous avons été à casa nous. Mais nous avons été à casa nous, mais fais-nous, occupez-nous, occupez physiquement nous, fais-nous prendre vitesse. C'est-à-dire que fais-nous bouger. Et donc, à ce titre, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Défoule-toi pour les adultes et pour les jeunes de 15 à 18 ans, où nous proposons des vidéos de chorégraphie avec des styles, plusieurs styles de danse, de musique. Donc, pour les jeunes, comme vous avez pu voir sur la vidéo, c'est Christ qui est aux commandes. Avec les jeunes qui proposent des vidéos de danse, de soukous, de dancehall, de begin, enfin, tout style de musique, de morceaux. Et donc, on propose aux personnes de venir nous rejoindre en cliquant sur un lien via le numéro WhatsApp 06 90 68 95 05. Parce qu'il faut faire quelques exercices, il faut faire du sport, il faut faire de la danse. On est chez nous, donc on s'occupe l'esprit. Et ça permet aux jeunes aussi de se divertir, de partager. On leur demande également de partager des morceaux de chorégraphie, des petites ébauches de chorégraphie avec nous. Il y a vraiment un coach aux commandes qui détaille les pas, qui envoie la choré sur le groupe WhatsApp. Et il y a un challenge, effectivement, aussi. Il y a un challenge. Donc, ils doivent s'inscrire sur une chorégraphie, préparer la chorégraphie et envoyer leur petite vidéo sur le groupe WhatsApp. D'accord. Il y a des lots à gagner, il y a des choses après le... Alors, est-ce que tu peux redonner le numéro WhatsApp, s'il te plaît?
Alors, c'est le 06 90 68 95 05. Donc, c'est pour les jeunes et pour les... Ouais, donne-le doucement. Vas-y. 06 90 68 95 05. 06 90 68 95 05. Voilà, donc ils envoient dès pour toi ce numéro et ils vont intégrer le lien. D'accord, alors Kevin, est-ce qu'on peut remettre la vidéo là encore? Nous allons rebalancer parce que tu as un problème de son pour tout le monde à bien comprendre. On y va. Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Je me présente Chris Lane, je suis la lead du groupe de danse des jeunes Genesa. Je suis entre 15 et 18 ans, rejoins-nous vite sur notre groupe WhatsApp. Défoule-toi au 06 90 68 95 05 pour pouvoir partager des vidéos de chorégraphie et de répétition avec la team. Je suis sûr que tu as de l'énergie à dépenser. Rejoins-nous vite. Oui. Redonne-nous le numéro. Alors, c'est le 06 90 68 95 05. Eh bien, gros big up pour cette initiative. Vraiment, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de défoulement. On a besoin aussi de changer d'esprit, changer d'état d'esprit. Ben, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose? Alors, je dis à toute la population, bon courage. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais il faut respecter les consignes pour qu'on puisse pouvoir avoir des jours meilleurs demain. Donc, connectez-vous sur Défoule-toi, les adultes, les jeunes. Nous avons des challenges, nous avons la meilleure chorégraphie qui sera récompensée. Donc, profitez, trouvez votre équilibre pendant ce temps de confinement. Il faut s'attacher à quelque chose et espérer. Et donc, restez à Casazos, connectez votre Défoule-toi, et bien, nous qui portons mon rêve demain, la vie qui est meilleure. Boudoum! Eh bien voilà, nous remercions eh toutes ces mounas qui ont porté des manœuvres, des initiatives positives. Papa check moi sur Facebook, Chicanos Blika Oblique, Instagram, Chicanos Blika Oblique. Et on l'a pour relayer tout ça qui a fait un pays là. Alors nous sommes partis encore pour nous garder en ange gardien en nous. Vous aurez songé qu'on s'est placé ça? Ange gardien en nous? Eh bien nous sommes partis encore. On y va! Boudoum! Sur le peuple, en cas présent témoin, moi c'est Rodrigue Théophile, non artiste en moi, c'est Théoka au niveau tradition et aussi animateur télévision à Catélé Antilles. En TV, fait un bel rouleau, bravo, bah, les anges gardiens, donc c'est tout le personnel soignant, médecin, infirmière, aide-soignante, agent hospitalier, mon café ménage, mon café brancard, toutes ces qualités, mon ça. C'est Ange Gardien nous, c'est Roulo Bravo, merci en pile. Nous pas oublier aussi les caissiers, les gens qui ont fait vigile, les gens qui ont conduit le bus, les gens qui ont permis que nous fonctionnions, nous continuions à fonctionner. Donc tout ça, c'est Ange Gardien, Roulo Bravo. Et il y a un bit qui est très, très, très important que nous pas oublier, c'est que faut nous aussi, là, nous avons sorti, nous avons des mesures de sécurité, faut ni masque, faut ni
j'ai là au produit ou fourni grand ou etc etc. On nous respecte ça, les nous qu'a sorti et on nous sorti réellement les nous besoin sorti. Il m'a qu'est-ce qu'il fait là, on peut qu'il rappelle les autres ça faut nous faire pour les nous qu'a sorti, mais ça important. Et pour nous finir par là, un bitin qui très 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 important, c'est qu'elles ont qu'à peut-être minimiser maladie là ça, ils ont qu'à minimiser virus là ça. Ça pas qu'à jouer. Ça pas qu'à jouer du tout, ça pas qu'à jouer du tout. Ça qu'à tuer un paquet de monde. Famille, zami, ça pas ni famille, ça pas ni zami, ça qu'à tuer toute qualité monde. Donc s'il vous plaît, on nous pas prendre ça à la rigolade, nous pas prendre ça au sérieux, nous qu'à rester debout à la verticale, nous qu'à kembe solide, nous parler nous pas bavier. Chanteur, animateur, aussi Téléanti, big up Téléanti aussi. Merci pour le message là. L'amour. Alors nous répondons à l'appel, mais nous répondons à d'autres questions aussi. Qui premier bite ont fait jour là que nous sortis à confinement là? Donc est-ce que c'est que le 11? Est-ce que c'est piqué le 11? Mais qui premier bite ont fait nous que sortis à confinement là ça? Anyway, nous répondons à l'appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, je vous appelle de Franconville. Dans le 95. 95, ok, le prénom? Oui, Nicolas. Nicolas, vas-y, on t'écoute. Oui. Bon, et Chicanos, bonsoir encore. Et nous habitons qui est au là, qui fait moi très, 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 très plaisir. D'accord. Et en cas de comme ça, et on dit comme ça, comme quoi, que ni moun qui passait pour rentrer, voit une vraie famille à qui mort en Guadeloupe. C'est vrai. Eh bien, c'est cas à moi. Eh bien, maman, moi, il mort le 8 avril, mort naturel. Eh bien, et il était le 14 avril, et en passé pour rentrer en Guadeloupe. Hein? Nous, à toi ici, nous pouvons passer pour rentrer en Guadeloupe. Et jusqu'à maintenant, qui est-ce qui a fait moins mal? C'est. Hein? En passé pour rentrer en Guadeloupe, pour te venir tirer maman moi pour dernière demeure. Et en cas de jour, ça fait moins mal, et jusqu'à maintenant, ça a fait moins mal. Ok, imaginez la famille. Ouais. Et a te crié, a déjà crié aujourd'hui, déjà crié. Oui, oui, a quand je te dis, moi, ça devrait être le lendemain. Oui. T'es crié, moi, la veille. Oui, la veille. Oui. Eh bien, regarde franchement, eh bien, regarde où ça, et au cas où on travaille là, continuez de travailler là, qu'on va faire là, parce que c'est pour mettre tout le monde là dans le bain, c'est pour tout le monde à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. Et je mettais nous dans le confinement, nous ne pouvons pas rentrer, nous pouvons non l'eau, et nous, à part moi seulement, qui a dans le ça. Mm. Non, le monde a donc à la ça, on le monde famille a yo jamais mort naturel, mort par ordinaire, enfin n'importe quoi, mais je peux pas rentrer tirer une famille à yo pour dernière demeure à yo. Alors, c'est yo comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Bon, et encore revenir à ce monsieur, à sa première ministre d'aujourd'hui là. Oui, oui. Moi personnellement, en cas de moi, à pas d'accord à confinement habiter à yo ça. Moi, pas d'accord, à pas convaincu. A pas convaincu. Son belle parole ou dit là, a pas convaincu. A pas convaincu. Ça veut dire, monsieur Papa, il y a assez d'arguments pour te convaincre vous. Oui, il n'y a pas bon moment, assez d'arguments. Parce que, en cas de franchement, à d'habiter là, ça, déjà, à pas sortir de cette parole là, il dit une parole, il dit le 7, il peut reparler, puis il sait vraiment s'il a mettre les gens en déconfinement. Il dit le 7, il peut reparler le 7. Alors moi, en cas de personnellement, moi, en cas de dire, compatriote en Guadeloupe, Martinique, Guyane, pas voyer Timoun à l'école. Moi, même pays, voyer dans l'école. D'accord, la famille. Pas voyer Timoun à l'école. Gardez Timoun à casa yo. D'accord. Hein? Eh bien, la famille. En cas de conseiller, ça. D'accord. Ma cas de force et courage. Merci. Ouvrez les bougies là. Oui. Et on m'a dit tout le monde a allumé en bougie. Oui, oui, tout. Parce qu'il y a des gens qui pètent par yo par rapport à la maladie là. Oui. Mais il y a d'autres aussi qui pètent par yo par rapport à la vie et qui pas TP accompagné par yo
Exactement. À demain ou demain, là. Donc, vous ne pouvez pas oublier après là où la famille. Et en cas de c'est heureusement, en étoile, en décès, et en foin, en bas là, c'est eux qui font tout le travail là, en bas là. C'est tout seul qui fait tout le travail là. Eh bien, nous envoyons en face Bayon direct. Oui, pas de problème. Boudoum. Oui, boudoum. Eh bien, voilà la famille. Et Kébéouet. Boum. Et continuez tout le travail là. Oui, nous allons continuer. Oui, boum. Boum. Alors, là, vous voyez un gros force. Bah, docteur qui j'ai eu. Docteur Sobertier et toute sa famille. Le doc a quand voyé un gros force bao. Merci mon frère, nous pas parler trop. Merci. À sa frère ou la voir à l'été là ou là. À sa frère toujours de frère ou le doc, docteur Sobertier. A quand voyé un gros force bao. Et bah toute famille a ou. Sois béni. Bénédiction. On l'a pris en bénédiction envoyé par la famille. Nous pas qu'à la guerre, nous pas continuer le travail là. Boudoum. Nous pas prendre appel encore. 0590 96 10. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? La montée, je m'appelle Christian. Voilà, t'écoute, vas-y Christian. Bonsoir, Aska. Oui. Nous habitons quoi dire, très d'accord. Pour bon Dieu, ouais, mais bon Dieu. Mais qui j'en veux qui aime bon Dieu quand couche en avant? Premier bité, bon Dieu, quand apprenne vous, tu ne jugeras point. D'accord. Mais non, mais. Premier bité, Dieu, quand dit, tu ne jugeras point. Mais dis-toi, pour qu'à couter. Non. Réponds-moi à ça. Ou posez-moi en bité, réponds-vous. Oui, tu ne jugeras point. Ça veut dire que Jacques a porté jugement à qu'un bon Dieu et à qu'un courir qu'à un aval. Et à qu'un jour, premièrement, à pas qu'à courir qu'à un aval seulement, à qu'à présenter qu'à un aval là. Donc, faut dire vraiment tout. À pas courir seulement, à qu'à courir qu'à un aval. À qu'à présenter qu'à un aval là. Ok? Donc, ça veut dire que, mais c'est ça le problème en nous. On aime voir la paille de l'œil de son voisin, mais on n'a pas la grosse poutre qui est dans notre œil. Ah, pas quoi, je vais dire poutre en. Eh bien, oui, mais on regarde, qu'est-ce qu'on a fait? Ou quoi, prends le téléphone pour mettre des habitants comme ça? À la période là, ça, c'est ça qu'on a trouvé faire la famille? Ou quoi, prends le téléphone, fais le numéro là pour mettre des habitants comme ça? Nous avons une période de confinement, une période de détresse, une période de mon camo. Mais non, pas essayer de m'aider mon habité, on s'est jugé moi la famille. Ah, désolé. D'accord. À peine plus, ça se fait répondre vous comme ça. Eh bien, d'accord. Pas de problème, hein. L'amour, gros bisous. D'accord, ok. Bisous. Voilà, faut pas. Ouais, c'est ça le problème là. Oh là 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 là. Carnaval déjà passé, il y aura terré Vaval. Vaval a joué mort. Bon, c'est vrai, pas ennemi carrément. Mais nous, venons encore. Le carnaval, ni mon cas mort. C'est des sales, nous parler toujours. Mais nous, j'y avancer. Nous, on prend un appel. Allô? Allô, bonjour, Chicanos, comment vas-tu? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Appelle Chicanos, c'est de Bouillante. Bouillante, le prénom? Annie. Gros bisous. Vas-y. Oui, j'appelle pour, comment ça s'appelle encore, pour ce qui a été dit. Attends, on t'entend mal, on t'entend comme si ça résonne. Oui, je t'appelle pour ce qui a été dit le Premier ministre. Oui, vas-y. Eh bien, moi, je peux envoyer mon fils à l'école. D'accord. Alors, pourquoi tu vas pas l'envoyer à l'école? Explique-nous. J'ai l'impression qu'on est un balle de pipon. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière. D'accord. Alors, qui premier bitin ou qui fait, ou qui sorti dans le confinement là, ça? Qui premier bitin ou qui fait? Qui fait, ben, qui alimente bougie. À l'église. Ou qui l'église alimente bougie. Oui, mais c'est bon Dieu. Oui, c'est bon Dieu. C'est tout. Amen. Eh bien, nous, quand on remercie la famille. Passe-moi ton collègue proche, parce que ça n'a pas pu faire rien. D'accord, ok. Elle va te donner le numéro. Ok, en antenne, ok, laisse ton numéro pour moi en antenne. D'accord. Alors, je t'en remercie, bonne soirée. Pas de problème. Bonne soirée. Alors, moi, j'ai un senti message basot parce que franchement, ouvrant période de confinement là, ça,
arrête de ton bitin. Pendant qu'il y a un numéro là, là arrête de ton bitin. Là, nous, quand il sort de ce confinement là, ça, faut nous vraiment profiter de tout ça, bon Dieu, bon nous. C'est-à-dire, profiter de l'enmer en nous. Arrête de dire bien fort, l'enmer en nous. L'enmer là, que bon Dieu, bon nous là. Faut nous profiter d'elle. A quand son grand-mère, m'a dit qu'à 10 mois, tous les jours, il y a un homme là. Même si vous étiez 2 minutes en homme là. Il y a un homme là. Ou quand vous êtes en homme là, c'est vrai. Chaque jour, les arabes et l'homme là. Vie, il y a un homme là. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Mais les pays interdits, faut nous profiter de l'homme là. Faut nous profiter des rivières là. Monsieur Hippomène Léova, honneur et respect, il y a qui crié peut-être demain. Il était dans mon citation sur la Guadeloupe. Et citation là, ça marque moi. Il te dit, moi, la Guadeloupe, c'est une belle femme. Après, j'ai plus. A qui crié, qui est lui-même. Parce que c'est une grande citation. Mais il faut nous profiter de la source de jouvence qui coule dans les deux mamelles. Quand je parle des deux mamelles, ce n'est pas les mamelles des femmes, les mamelles, les montagnes. Faut nous profiter des rivières là. Combien de temps nous partons à la rivière là? Combien de temps nous partons à la mer là? Combien de temps nous partons à promener en Zion en nous? Combien de temps nous partons à promener la campagne? Combien de temps nous partons à la rivière en Guadeloupe? Garder paysage là? Faire des couchers de soleil? Ouais, frère! L'homme est dans le t-shirt, garder le coucher de soleil. Enfin, la romantique, bitin, ça belle. Il peut jambier ça. Combien de temps l'homme n'a pas qu'à fermer, rivière n'a pas qu'à fermer. Eh bien, je vais dire, hein, là, on va confinement, là, tout ça qui est fin, mais bien fin. A qui prend voiture en moins, à qui prend famille en moins, à qui a l'homme, à qui a la rivière, à qui a Zion, là, on fait le tour de la Guadeloupe, jour là, ça. Et après confinement, là, ça, on va profiter des pays là. A déjà commencé, mais il va faire un complice. A quand il passe dans chaque commune Guadeloupe. A quand il passe dans chaque île qui représente la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe sont ensemble, ils sont ensemble. A quand il passe dans toute île à la Caraïbe. A quand il profite des trésors là que nous n'y là et que nous pas avoir là. The Caribbean Islands. Mm-hmm. Alors si vous êtes d'accord avec moi, à casa, ils ont dit oui. Après, ils ont dit amen. Nous. Après, ils ont dit que c'est pas stable. Ils ont dit oui. Nous devons profiter des pays en nous. Parce qu'il faut nous profiter des trésors là, ça va bosser dans nous. Paradis là, ça. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est vrai, pas ni de l'eau, pas ni l'hôpital. Pas de problème. Mais Guadeloupe en nous belle. Pays en nous belle. La Martinique belle. La Dominique belle. C'est... Haïti belle. Saint-Domingue, toute Caraïbe la belle, la Guyane belle, on nous profite des paradis là ça. Nous comprenons appel. Allô? 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 Kevin Bani Mono? Allô? Bon, nous comprenons notre appel. On nous profite de parce que, vous savez, vous avez dit qu'il faut perdre un bitin, ou presque perdre un bitin pour vrai, c'est vrai. Mais nous vivons, alors nous profiter de ça. Allô, nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, il faut couper le son de la télé, s'il vous plaît. Comment? Il faut couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où? En fait, excusez-moi. Oui. En fait, mon papa, il essayait de vous appeler. Mm-hmm. Et il n'arrivait pas. D'accord. Et on a essayé plusieurs fois, mais c'est la première fois que ça fonctionne. D'accord. Il est où, ton papa? Il est parti quelque part, et il a dit d'essayer quand même pour voir si ça fonctionne vraiment. Ah bon, ok. Bon, mais... Donc je vais le dire de vous appeler tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il voulait me dire? Tu sais pas? Comment? Tu sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire? Non. Mais voulez-vous dire des choses intéressantes? Ok, et toi, qu'est-ce que tu veux dire à la Guadeloupe, à la Martinique, à tout le monde qui nous regarde, à la France, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah ben, je veux dire bon courage et je tiens bien. Ah ben voilà. Ah ben merci la famille pour la force. D'accord? D'accord. Boudoum. Boudoum. Voilà. Gros big up. Alors, nous attendons encore des appels.
0590-96-10-10. Alors nous avons songé aussi tous ces bougas qui ont dit dans la jolle là, les prisonniers, les prisonnières, MA1, MA2, CD1, CD2, le quartier des femmes, le quartier des mineurs, en sauf que pas ni pour avoir habité la red. Mais nous pas oublier, familles et amis, en nous qui ont dit dans la, voyons force Bayo, criez, voyons force Bayo. Moun ki la jol Martinique, moun ki la jol Guyane, moun ki la jol côté de le monde la ka gade nou, nou ka voye force bazot. On le courage. Nous pas oublier aussi les moun ki en psychiatrie, les enfants en psychiatrie, les enfants de la maison de l'enfance. Tout moun ki l'hôpital ki ka goumé contre la maladie. Nous ka voye force bayo. Nous ka prendre appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, c'est Mania de Petit Bon. Vas-y, on t'écoute. Oui, c'était juste pour avoir quelques informations au niveau des écoles de la Guadeloupe. Je parle collège, primaire, lycée. En fait, au niveau de la métropole, on nous montre à peu près ceux qui vont ouvrir. Ils le disent clairement, ils vont ouvrir avec telle et telle disposition. Il y a d'autres écoles qui disent qu'ils ne vont pas ouvrir. Mais au niveau de la Guadeloupe, on n'a jamais encore entendu, ne serait-ce qu'une seule école, dire les... Comment ils vont faire, en fait? Comment ils Alors, vont quand tu parles des écoles, tu parles des collèges, des lycées, des primaires? Qu'importe. Primaire, collège, lycée. D'accord. Parce que moi, l'entendre le premier ministre a parlé, il dit pour ça vraiment si ça est fait le 11. Parce qu'il n'y a qu'à attendre des prévisions. Si les prévisions inférieures à ça qu'il a dit, ça est ouvert. Si il n'y a pas inférieur, ça peut être ouvert. Donc, ça veut dire que... Bon, après, il a parlé de couleurs, entre le rouge, le vert, et que ce sera par rapport à des départements. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'il a dit 4 jours avant exactement, il va faire un autre discours, et là, on saura. Donc, pour l'instant, c'est pas si ça va ouvrir ou ça va pas ouvrir, comment ça va ouvrir, et si ça ouvre, ce sera... Au volontariat, ça veut dire les gens qui veulent être Simounayo. Oui. Donc, c'est vraiment complexe. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Mais c'est qu'on a déjà commencé à avoir quelques dispositions que la métropole prend. Certaines écoles ont commencé à avoir. Mais au niveau de la Guadeloupe, il n'y a aucune école qui s'est manifestée pour montrer quand même déjà ce qu'ils ont pris comme disposition. Mais tu Parce sais... que les classes de maintenant au collège, il faut savoir qu'à base de 20-25 élèves par classe. Ah non, parce que j'ai entendu qu'il a dit pas plus de 15 enfants par classe. Voilà, eh ben, c'est juste histoire de voir, ne serait-ce qu'un collège présenter leur disposition, ou une école primaire, ou un lycée, pour savoir comment ça va se passer. D'accord. Alors bon, demain on va essayer de parler de ça. Je me renseigne et je dirai demain, d'accord? Il n'y a aucun souci, je connais. Boudoum! Boudoum, bye! Bye! Alors, nous allons finir l'émission là. Je nous commence. Nous allons faire une minute de silence. Pour toutes les victimes de cette pandémie, tous ceux qui nous ont quittés malheureusement, et pour toutes les personnes aussi qui sont parties pendant cette période. C'est-à-dire... les personnes qu'ils ont quittées et que malheureusement la famille n'a pas pu accompagner, toutes les victimes de cette pandémie.
L'amour. À demain. Pas laisser au ciel du plus belle richesse à qui vit à la tristesse.